Récemment, le JET a permis un nouveau record d'énergie produite par fusion nucléaire. Le réacteur a délivré 59 mégajoules pendant 5 secondes, ce qui est le double du record précédent. Alors vous me direz, qu'est-ce que le JET ? C'est une expérience européenne qui s'avère être le plus grand dispositif de fusion à confinement magnétique, autrement appelé tokamak. Dans cette construction, des atomes de deutérium et de tritium forment un plasma et se mettent à fusionner entre eux pour produire une très forte énergie. En fait, pour vous donner une idée de la performance du JET, il faut savoir qu'un seul de ces kilos peut fournir autant d'énergie qu'environ 4 kg d'uranium-235 et autant qu'environ 10 000 tonnes de charbon.